arrivée au Weinfass Hotel où Monica et Andreas nous ont accueillis. On a pu visiter leur magnifique jardin et puis on a dormi dans les anciens tonneaux qui ont été réaménagés. Ils ont mis des lits à l'intérieur qui sont très confortables d'ailleurs. Et puis on a reçu une bouillotte chacun. Il n'y a pas de chauffage possible parce qu'on est dans une ancienne grange en fait. Alors bien sûr, si on veut, on peut aussi dormir dans les nouvelles chambres qui sont en forme de tonneaux aussi, qui elles sont très bien isolées. Avec quelle technologie c'est chauffé ? On chauffe en bois. Et depuis ce printemps, on fait l'électricité avec photovoltaïque. On veut produire notre électricité pour lumière, pour l'eau, pour la télé. Vous essayez de produire 100% de votre électricité. Ouais. Nous avons tous été impressionnés par leur engagement, leurs 160 mètres carrés de photovoltaïque. Et puis vraiment leur idée qu'ils aimeraient produire 100% de leur électricité. La nature est vraiment très importante pour eux et ça se remarque notamment dans leur jardin et dans leur vigne où Andreas passe encore la majorité de son temps.